Ce soir. Ce n'est que des sons. J'espère pouvoir te faire changer d'avis et te montrer que le visuel est également très important pour se relaxer. Se relaxer. Hop là. Alors ce soir, comme tu peux le voir, je commence. J'espère que ça ne te dérange pas d'ailleurs. Un petit peu de tracing sur ton visage. Hop. Je trouve ça très apaisant quand je regarde une vidéo et que la personne s'amuse à toucher le visage comme ça. Je me sens direct attrapé par ces mouvements de main et ça me détend énormément. Je sens vraiment la proximité avec la personne que j'ai en face de moi. Et j'ai vraiment l'impression de ressentir les gestes sur mon propre visage alors que la personne de moi finalement. Alors ce soir, c'est moi qui touche ton visage et toi, ton qui te relaxe. Je veux que tu te relaxes ce soir. J'espère que tu t'es installé dans un endroit calme, que ça soit ton canapé ou bien ton lit, dans ta chambre ou dans ton salon. J'espère juste que tu es dans un endroit où tu peux juste te relaxer et être calme.
Son sommeil. Mais personnellement, je pense que j'aurais plus envie de rester au lit et d'en écouter encore et encore et encore. J'ai ramené un petit quelque chose pour toi. Il s'agit d'une lampe. Je pense que ça va pouvoir. C'est un visuel très apaisant. Tu m'en diras des nouvelles, mais personnellement, j'adore les visuels faits avec une lampe. Donc j'espère qu'elle pourra te relaxer et qu'elle ne sera pas trop forte.
suis retrouvée à devoir soit supprimer des parties de roleplay, soit mettre des roleplays en noir et blanc à cause de cette lampe. Parce qu'en fait, j'ai fait des roleplays sur fond vert, notamment le roleplay Ophtalmo, qui est sorti il y a un petit moment déjà. Et en fait,
penser qu'on est dans un endroit où il ne nous arrivera rien, un endroit où on est protégé et apaisé et calme, 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 calme. J'espère que tu te sens comme ça actuellement. J'espère.
ça va être là pour moi aussi très bientôt. Sous ma couette, au chaud.